Parce que, d'après information que j'ai gagné, que non, si tu es dans le monde qui a de rapport avec gang. Ok. Et encore plus de rapport avec gang pour te monter gaz. Et deuxièmement, les des soupçons dans le cadre assassinat président Jovenel Moïse. Ok. Donc, si Nations Unies font des bagages sérieux, eh bien, premier bagage Nations Unies a dû faire, tu as demandé à Ariel Henry de démissionner comme premier ministre de pays. Mais ça, il y a pas les Nations Unies plus au sérieux. Très bien, M. Bateau. À qui ça vous pensez, ensemble des rapports que Nations Unies a pu soumettre là, qui a résoudre le problème que nous avons là à travers le pays? Parce que le rapport est sorti sur le rapport. Non, des gens épinglés comme les gens accusés comme fondateurs groupe gang, ou bien les gens qui ont distribué les armes. Mais ça n'a pas empêché que gang continue puissant dans le pays. Et là, nous avons Haïti, il n'a pas fabriqué des armes, il n'a pas fabriqué des cartouches. Et nous avons fabriqué des armes. À qui ça rapporte l'ONU, le rapport qu'Haïti a capoté, on souffre, Haïti a capoté, on souffre dans la question de sécurité pays, d'abord. Eh bien, c'est une preuve qui montre que le rapport Nations Unies est faible. Il est faible tellement, il n'a pas qu'à empêcher que les gangs alimentent. Ça veut dire que les Nations Unies sont épinglées. Eh bien, c'est pas seul eux-mêmes qui a financé Gagnon. Ou bien c'est pas eux-mêmes. Ou bien c'est pas eux-mêmes qui te vrai groupe qui a financé, ou bien c'est un groupe qui va financer par rapport avec question politique. Non, c'est une ladan. C'est une ladan. Parce que si Nations Unies dit que yo vle ba Haïti un coup de main pour que Haïti capable de limiter à son gang, pour que Haïti capable d'arriver, joindre, chimer, capable de dire. De sécurité, et puis pendant deux ans, il y a cité non série de l'ISMUN, et puis nous, jusqu'à présent, gang yo toujours pas alimenté. Gang yo toujours gen cartouche, gang yo toujours gen zam. Donc, c'est que travail Nations Unies a monté efficace. En plus, vous questionnez tout. Travail Nations Unies a monté efficace. Monsieur Bateau, sous une question, sous une question Nations Unies, en plus, vous questionnez, gagne Jean-Rebel Dorsena qui fait partie CNDDR, c'est un commissaire dans CNDDR, qui te fait quoi, gagne 11 familles. 4 vannes à 4 chants dans le pays, ils ont questionné, monsieur, dame, et groupe expert Nations Unies, pour que ça, au moins, ça a permis que le pays a joué non souffle, ils ont pas joué dans le rapport qu'ils ont soumis, surtout dans le teaser qu'ils ont mis dehors. C'est le même qui s'est claqué. Non, mais encore, à plus forte raison de dire que le rapport des Nations Unies est un rapport très faible. Non seulement sur le plan, nous sommes capables de dire, et persuasion et par rapport avec équilibre que rapport ça à l'État doit gagner. Mais deuxièmement, sur le plan juridique, ce rapport n'a aucune portée juridique. Parce que, normalement, tout le monde connaît que, d'après la loi, comment un monde est capable soit prendre sanction contre lui. Parce que, pas bon jugement qui fait. Parce que c'est pas une juridiction et judiciaire que lié, rapport aux Nations Unies, c'est pas une juridiction de justice que lié. Donc, cela veut dire que le rapport, ça encore, c'est un rapport qui a effet dans l'opinion. Donc, effet que l'on a dans l'opinion, hein, c'est que l'arrivée à atteindre l'intégrité morale quelques monde. Pendant ce temps, l'y protéger quelques autres. Parce que il y a un pile d'autres monde que nous connaît, que ou même ou connaît comme journaliste, qui t'a doué intégrer, qui t'a doué figurer dans le rapport ça, mais malheureusement, pour des raisons que ou même ou ignorer, et moi-même tout me ignorer, nous n'avons pas figuré dans le rapport. Aussi simple que ça. Ah, Monsieur Bateau, kounya, en regardant l'autre point là, dans l'interview, puisque vous connaissez que Jean Tilzan Bapke Botrop, et en regardant, non, puisque en regardant l'aspect politique là, kounya, par rapport à la question CARICOM, qui lui-même est là, car il est un projet de cadre de transition de 18 mois avec, on dit, un exécutif. Alors, on a dit Ariel Ladon, et puis on conseil élargi avec 7 membres Ladon. Et nous-mêmes dans FND, nous-mêmes dans RSD, comment quelle réaction sur ça? Qui veut sur ça? Je dois vous dire, au niveau de FND, nous-mêmes nous sommes très fixés sous épaule. Parce que, d'abord, premier groupe politique qui t'a doué intéressé à un exécutif bicéphale,
qui t'a doué et capable dire enorgueillir du fait que aujourd'hui après 28 mois d'échec et jodi à la et en pile acteur que sur le plan national et international ramené à la raison côté journée jodi à même CARICOM a parlé de exécutif bicéphale c'est grâce à nous-mêmes parce que depuis le FND a fondé nous-mêmes nous étions toujours contre cette question de exécutif monocéphale nous dit il pas entré dans coutume nous il pas rentré dans nomenclature politique pays a et troisièmement d'après la constitution de notre pays donc pas de question de exécutif monocéphale d'ailleurs nous est qui ça exécutif monocéphale là-bas nous li ba nous plus corruption li ba nous plus gaspillage dans l'état li ba échec total ça veut dire yon gouvernance catastrophique c'est ça et on capable dire et allô Bato Junior et oui n'avait Bato Junior c'est exactement c'est responsable relation publique dans FND par conséquent de exécutif bicéphale mais façon que CARICOM lui-même les positionner dans crise là nous dit CARICOM est trop faible pour résoudre cette crise parce que CARICOM li plus venu comme de monde qui vient défendre Ariel yo plus venu comme de monde pour comment yo capable passer une couche pétu dans visage Ariel pour capable faire Ariel gon l'autre couleur et l'envoyer un glo sous couche pétu ça et bien va toujours le même visage là c'est ça CARICOM vient faire et malheureusement nous croyons que nous-mêmes comme acteurs politiques nous pas prendre bagaille ça il clair pas rien ou capable de faire avec Ariel Henry qui c'est un incompétent sur le plan politique qui c'est un apatride qui pas qu'à défendre intérêt supérieur peuple haïtien allô oula monsieur Bato là oui qui pas qu'à défendre intérêt peuple haïtien c'est ça qui fait que nous-mêmes question monter descendre carré comme nous pas faire nous ni chaud ni froid parce que l'est clair nous-mêmes faut nous joindre exécutif bicéphale faut nous arriver mettre campé une transition de rupture pour que nous finissions avec corruption pour nous finir avec phénomène insécurité programmée ça pour nous capable réduire à son gang à travers le pays pour que nous arriver organiser élection dans pays mais l'est clair avec Ariel Henry nous pas faire ça. Très bien. Pour résoudre à ce gagnant, il n'y a pas un bagage qui aussi facile ça pour les gens qui nous comprennent. Et l'ennemi est la police qui a plein chaque jour pour moyen qui n'a pas gagné pour faire face avec gagnant. Et l'ennemi est la force l'armée d'Haïti. Jusqu'à présent, le gouvernement qui l'a, et vu que c'est sous contrôle l'étranger, c'est sous contrôle l'étranger que oui, parce que ce n'est pas au cap décidé. L'armée a qui constitution qu'on est avec la police n'a pas qu'à rentrer dans la bataille là. Comment on pense nous pouvons résoudre le problème de sécurité qui vient là pour aller à l'élection pour parler là? Avec Ariel, nous ne pouvons pas faire rien. Mais sans Ariel, avec deux personnalités crédibles, deux personnalités qui ont caractère, deux personnalités qui remet Haïti, deux personnalités qui ont savoir-faire, c'est sûr, n'a pas arrivé résoudre, même si nous pas résoudre pendant la période de transition hein, tous les problèmes d'Haïti, mais nous avons arrivé à mettre le pays là sur une position qui peut permettre que les gouvernements légitimes élus qui peuvent passer dans l'élection venue, la bien un pays qui déjà en passe pour résoudre les grands problèmes qu'il a confronté. Par exemple, question révision constitutionnelle, question et capable de dire insécurité ça que nous connaît que toutes les qui dans l'état c'est de monde qui de connivence avec les gangs donc l'on prend un qui crée problème non pas qu'à blesser les qui pour résoudre problème là OK c'est eux même qui crée problème qui vient là c'est eux même qui de connivence avec les gangs et bien ou mandé c'est eux même qui pour éliminer gang comment vous allez éliminer gang là vous allez éliminer tête yo. Mais c'est bateau. En pile monde a besoin d'entendre garder monde qui se réserve. En pile monde nous tout temps dit ça, les réserves de la République. Et en pile monde dans dernier moment yo ouais mal monde qui qualifie tête comme réserve de la République que par rapport avec position
que madame Hippolyte Maniga est gagné à travers ACTA et qui pas qu'à quelle position, c'est soit elle montre qu'elle contre Ariel, c'est soit qu'elle montre que Ariel pas gagné constitution pas gagné et pas bail crédit au moins pour retirer ce pouvoir là et pas gagné provision. Alors c'est vraiment pas gagné provision et pour retirer Ariel en 7 février ou même comment ouais moun yo qui pratiquement garder et madame Hippolyte Maniga comme réserve non période mais pour qu'on y a qui changer quand et ou même qui a pété donc regardez ou mettez accent sur question honnêteté et en pile monde ouais madame Hillet Maniga comme mon honnête est-ce que mon yo après crée chaque monde qui dans société qui dit honnête par rapport à déplacement madame Hillet Maniga mais écoutez bon et ouais en pile monde toujours fait on pas connaît c'est par manque de savoir ou bien par manque d'information. Faut pas prendre Hillet Maniga pour Leslie François Maniga. OK. OK. Mm-hmm. Okay. Hillet Maniga était vraiment la femme de Leslie François Maniga. OK. Leslie François Maniga c'est une icône. Leslie François Maniga c'est une référence. Leslie François Maniga c'est un intellectuel hors pair. OK. Donc par le fait que Marie c'était madame ni donc en pile monde vient bail Milan. Je respecte par rapport à Maril. Mais c'était tout ça au constitutionnalisme. Pardon? Je dis c'est une constitutionnalisme. L'intégrité de la constitutionnalisme qui c'est la loi mère de oui de mais écoutez, Renaud Joyeux constitutionnaliste, ok. Lors d'une constitutionnaliste. Non attention, lors d'une c'est une constitutionnaliste. Nous Renaud Joyeux constitutionnaliste, ok. OK. On va avancer. Donc, on pas besoin de rien encore. Donc, c'est pour dire comme ça que ça Hippolyte Maniga TJ, Maniga c'est pas le cas de Milan. Milan femme d'où ça, il était bénéficié de réputation de Maril. Mais ça on était pensé de Milan Maniga, pas j'aime ça vraiment. OK. OK. Milan pas j'aime ça vraiment. Donc moi-même non, moi-même, pas de tromper, je te connais Milan Maniga. Ok. C'est quoi, monsieur son nègre, je vais vous exemple. Et même, genre, moi-même, dans la famille, pas moi, j'ai respect. À cause de moi-même, j'ai mes petits frères, j'ai des gens qui leur vont côté là. Mon cher, je respecte, oui. Comme c'est si frère Bato, je respecte. Mais si frère Bato, pas Bato, attention. Pas penser que le fait que yo gen ou moun respect par rapport à yon ligne moun ke gen nan famille, ça veut dire que moun nan li même li bénéficie de même respect avec tout ça. OK? Li te on protégé à cause de Maril. Mais depuis belle lurette, si n'a pas suivi Milan Maniga, Milan Maniga pas de jambe le si François Maniga. OK? Donc ça nous te penser de Milan Maniga, moi même pas trompé. Mais monsieur Bato Junior, bon pose une question ça parce que on montre que nous-mêmes à travers FND, nous pas dans question Ariel là et nous pas Ariel dans leur transition et ses positions ou même et Junior Bato, ses positions FND et position c'est Jean-Louis. Mais préciser pour préciser pour. Oui. Et pas parce que ou dit nous pas Ariel dans l'autre position. Pourquoi il y a transition? Oh, OK. Ariel à la tête d'un gouvernement intérimaire. OK. Pas oublier, les Ariel t'a monté, il était évoqué article 149 maman loi pays. OK. Article 49 maman loi 149 maman loi pays a dit en cas de vacances, eh bien premier ministre a gagné entre 60 à 120 jours pour organiser l'élection. Donc, cela veut dire que depuis 120 jours passés, monsieur a accaparé pouvoir là. Je ne veux dire, là, si t'as une institution dans le pays, là, je t'ai capable d'arrêter Ariel, mettez Ariel n'importe quel côté, parce que monsieur, c'est un usurpateur de titres, monsieur n'a pas aucun titre, rien. Okay. Parce que 120 jours passés, et 120 jours, il était d'organiser uniquement l'élection. Voilà que monsieur passé de 120 jours arrivé dans 28 mois, élection pas organisée. Donc, monsieur, pas de qualité pour être en tête pays encore. Tout le monde qui parle dans la négociation, ou pas chute avec Ariel, nous qualifions comme monde qui gagne même, nous capable de dire mauvais comportement avec Ariel, parce qu'on pas capable de négociation avec un monde qui n'a pas de qualité. Okay.
Son usurpateur de titre, monsieur. Mais, merci pour autant de... Monsieur a capable de pouvoir de manière illégale. Oui, d'accord, précision. Moi, c'est que les amis captant de la capga de la source, différents médias, ça a comprendre ça très bien. Mais, Kounia, question de la poser, et monsieur et Bateau, nous connaissons que, quel que soit bon, on a dit opposition et constructive que vous même montez là-dedans, opposition radicale qui était dans l'autre branche, c'est toujours opposition. Je tiens à sentir que, et c'est un mouvement qui a fait, dans la réalité, dans la rien, et PM Ariel Henry, bon, selon un pile observateur, je trouve que vous avez même force de frappe, yo. Comme si il pas ouais que et bah on est qui stratégie nous même nous va utiliser comme si on dit que Ariel qui déjà c'est un usurpateur de titre pour ne pas là encore et pour ne pas ouais encore non pour et bon je viens dire notre pouvoir intérimaire ça qui ça nous même dans FND ou dit moins que dans RSD nous même nous dit nous que nous pral utiliser comme pouvoir comme moyen pour que et pouvoir de intérimaire Ariel Henry que le pas là et pour nous opposer barrer la route avec Sanda capable les projets de transition que CARICOM veut proposer ensemble d'acteurs dans le pays. Bon, CARICOM fait une proposition. La proposition CARICOM fait hein, pas oublier, il est capable de passer, il n'a pas passé. Exactement. Parce que c'est une proposition. Exact. C'est une proposition. Donc ces capacités acteurs en présence pour que yo décortiquer les différentes propositions faites par CARICOM et puis pour faire une contre-proposition. Parce que normalement, nous considérons faire de route CARICOM comme un ballon d'essai. Eh bien, là, yo lance son ballon, eh bien, ça va dépendre de moun qui a recevoir le ballon, comment on a recevoir. Si mal recevoir le ballon, là, mal fait pas cela. Eh bien, s'il bien recevoir ballon, l'a bien fait pas cela. Eh bien, nous-mêmes au niveau FND, nous-mêmes nous prenons acte. Nous connaissons que crise ça, qui est-ce qui met lui? Nous connaissons que c'est les États-Unis, le Canada, la France, entre guillemets, qui mettent crise là. Eh bien, si c'est eux-mêmes qui mettent crise là, c'est eux-mêmes qui peuvent résoudre crise là, c'est pas CARICOM. OK? C'est pas CARICOM qui peut résoudre crise là. Même j'en son tweet qui était capable de établir Ariel comme premier ministre. Et même j'ai son tweet qui pral dit Ariel ou pas premier ministre encore. Parce que c'est eux-mêmes qui mettent crise là. Et si nous regardons la crise que nous avons vécue aujourd'hui là, en forme rétrospective, aller dans la période occupation américaine à partir de 1915, ou après semblé avec crise ça, les Américains ont été débarqués. T'es gen Borno qui était sous pouvoir. Ou ap vwenn Ariel Henry presque je me vois la Borno. Eh bien, les Borno pas qu'à délivrer marchandises là. Eh bien, y a obligé retirer Borno. Même gens y a obligé retirer Ariel. Parce que pas gen moun kap ka composer avec Ariel. Parce que Ariel est déjà décomposé. Ou pas qu'à composer avec un produit qui est en décomposition. Ariel est déjà en décomposition. Il n'y a pas lieu de composer avec un produit en décomposition. Eh bien, comme c'est Blanc lui-même qui met crise là, il y a comprendre que Ariel Henry est en décomposition. Par conséquent, il n'aura pas lieu de composer avec Ariel Henry. Okay. C'est ça la réalité. La réalité aujourd'hui, il faut un exécutif bicéphale avec un nouveau premier ministre, un premier ministre qui inspire confiance, un premier ministre qui a savoir-faire, un premier ministre qui est capable d'arriver à mettre tout secteur ensemble pour arriver à constituer un gouvernement d'union nationale, un gouvernement de salut public, quel que soit le gouvernement, pour arriver à résoudre les grands défis qui nous attendent. Oui. Mais avec Ariel Henry, nous ne pouvons pas nulle part. Non, une période de temps pour ça, monsieur et monsieur Junior et Bateau. Nous sommes en train de travailler et dans les jours qui viennent, on va commencer et faire de ça nous commencer faire parce que nous-mêmes n'a consulté d'autres secteurs parce que nous connaît nous-mêmes nous ne sommes pas les seuls acteurs de ce pays, il y en a d'autres. Donc nous en consultation avec les autres acteurs pour nous arriver vers une véritable transition qui pourrait remplacer
M. Ariel Henry qui est en décomposition à la tête de ce pays. Chaque groupe politique qui est souterrain, il y a un petit groupe blanc par yo. Nous-mêmes, dans ce type, nous avons un petit groupe blanc qui nous adhère. Nous-mêmes, nous n'avons pas un groupe blanc. Nous ne parlons pas à n'importe qui. Comme blanc, je ne vous dis pas, il fait partie de crise là. Nous ne parlons pas avec tout parce que il ne faut pas leur tête. Nous sommes un pays qui est sous occupation, son pays qui est sous tutelle, parce que l'objectif, nous, c'est arriver, ramener le pays ça pour reprendre sa souveraineté que le gagne. Donc, nous pensons que ce n'est pas les négociations pour nous faire, parce que nous ne pouvons pas nous faire. On ne peut pas nous mentir. Donc, il faut que nous parlions avec Blanc pour nous capables de reprendre la souveraineté nous, comme pays. Okay? Mais nous ne pouvons pas Blanc, nous ne pouvons pas mettre, parce que nous-mêmes, seul mettre nous gagnons, c'est le peuple haïtien. Revenir dans l'ordre constitutionnel, pour un peu le monde, les parents bagaille qui est facile parce que chaque secteur, il y a regardé son code lié, il y a regardé code dans un point de paille et dans propre intérêt. Est-ce qu'elle est facile pour le regroupement politique qu'on fait partie pour nous arriver à convaincre l'autre partie qui a regardé code dans l'autre branche là et yon a codé, l'autre l'a décodé? Est-ce qu'elle a capacité pour réunir sous même table pour discuter pour convaincre? C'est une raison qui fait que nous en consultation avec d'autres structures politiques parce que nous connaissons, nous ne sommes pas les seuls acteurs. Pour arriver à résoudre la crise, il faut que nous ramener d'autres structures politiques sur la même table et même côté avec nous pour nous capables de joindre un compromis historique pour arriver à retirer Haïti côté de là. Et monsieur Bato, c'est bataille ça n'a fait. Bon c'est que c'est ça c'est dernière question hein, qui tout vient genou là avec collaborateur Desi Venesse. Si n'ta gen non, souda ki moi même t'a demandé, t'a demandé monsieur Bato Junior parce que ça lit d'actualité. Comment ouais retour Guy Philippe dans pays d'Haïti? Comment ouais retour Guy Philippe dans pays là? N'a parlé de politique et c'est bien malheureux en pile monde journée jodi a là. Yo prend retour Guy Philippe comme une toile de fond dans cadre des batailles politiques en Haïti. Et moi crois que gien bagaille peut-être Guy Philippe pas dit yo. Guy Philippe qui était tout dans confusion parce que li clair que Guy Philippe était saute passer 6 ans en prison aux États-Unis pendant 6 ans que le passé dans prison hein. Donc monsieur était capable plus de temps toujours c'est parce que monsieur était arrivé négocier avec blanc. Parce que l'elle négocie avec Blanc, on sait de vérité le bail. OK. Donc, l'elle, Guy Philippe retourne dans le pays, on le veut ou non, Guy Philippe, c'est, il dit, c'est pour blanchiment des avoirs, c'est pour trafic de drogue, etc. Il était dans la prison. Donc, là où tu es impliqué, par exemple, soit de près ou de loin dans le bagage, ou pas qu'il y a un acteur capable de dire et crédible encore. OK. Ou pas qu'il y a un acteur crédible. Donc, je vous dis à là, c'est bien malheureux, c'est qu'on s'allie. Donc, moi-même, papa, il va être moins menti, papa, et focus sur la question de Guy Philippe, parce que nous sommes capables de dire sur le plan politique, c'est que Guy Philippe, plus on est qui a joué dans l'ombre, qui, parce que qu'on le verra ou non, quand on est sorti dans le grand dans ça, et c'est un nègre qui a pied de la terre, c'est un nègre qui a un pile partisan qui croit dans lui. OK? Mais, de manière officielle, Guy Philippe n'est pas un acteur politique encore. Il n'est pas un acteur politique. Et même on connaît comme journaliste pour plusieurs raisons. Attendez, il y a un peu de monde qui essaie de te faire comparaison entre Jocelyne Privert et qui t'a fait prison pour question de crime dans le massacre de la Syrie, qui t'a arrivé sénateur et qui t'a même arrivé président. Et il y a un monde qui essaie de faire comparaison ça. Qui position sous ça? C'est deux cas différents. Le cas de Jocelyne Privert était passé quelques temps maintenant en prison, mais Jocelyne Privert n'a pas été condamné, n'a pas été jugé. OK? Parce que normalement, seul moyen est connaît que parce que les ou impliqué nos bagailles, on capable dit ou gain présomption de l'innocence, OK? C'est-à-dire tout autant que pas bon jugement qui fait, yo pas ka connait sous coupable sous pas coupable. Donc, le fait que Privert n'a pas été jugé, n'a pas été condamné, ou pas qu'a dit que Privert n'est ni coupable ni pas coupable. OK?
c'est pas même cas. Mais tandis que le cas de Guy Philippe a été extradé aux États-Unis et il a été jugé, il a été condamné, donc et c'est pas même cas du tout. Ou pas de comparaison possible entre deux cas ça. OK? D'accord. Merci, monsieur et monsieur Bateau Junior. Bon, c'est que Junior Bateau, c'est un plaisir de nous parler ensemble avec vous. Bon, c'est que l'irrité, bon, c'est pas une première et une dernière fois tout. Nous avons des choses qui parler ensemble avec vous sur différents médias. Ça y est, que pour matin, lundi, mardi 5 décembre, qui va des choses capables d'attendre interview ça dans toute intégralité. Merci un peu, monsieur Bateau Junior. Voilà. C'est à moi de vous remercier pendant que nous saluons tout le peuple haïtien qui non seulement dans le 11e département, qui à l'intérieur du pays d'Haïti, et tout un confrère politique nous au niveau de FNT, FND, coordonnateur nous et Serge Jean-Louis, et tout le monde qui a boumé, et nous saluons particulièrement l'initiative, groupe MLA, l'amour pour Haïti, et dans le cadre de la résolution crise pays. Donc nous pensons que de monde qui est dans la diaspora qui a boumé, il faut féliciter ces gens de la diaspora qui mettaient pied à terre pour arriver gourmet pour résoudre la crise du pays d'Haïti. Donc, c'est un plaisir de nous entendre avec nous. Nous sommes toujours disponibles dans la mesure du possible que nous demandons et pour ta participer dans l'émission, on est toujours là pour nous. Merci, okay. Merci à peu près, monsieur Bateau Junior. C'est un plaisir. Désir, merci à peu près. On l'a émission pour vos amis internautes, nos amis qui souffrent différents médias, ça y est. C'est pour ta journée. Merci, Désir. Nos 10 amis auraient été à court avec ensemble de médias, plateformes en général qui permettent qu'ils auraient été informés sur tout ça qui vient comme actualité dans le pays. Et pas oublier like, commenter, partager. Et émission et matin, hein, nous besoin pour au moins 2500 amis, like et 500, au moins qui ton 500 commentaires pour nous, qui permettent que nous balancer niveau importance travail qu'on a fait pour. Allez, on a croisé pour l'autre émission pendant la journée. Merci à vous, merci tout le monde. Malé. Madame les citoyens. Ce qui m'a souhaité déjà gérer son monsieur a déjà tout fait, mais c'est des débats. Bon, c'est déjà augmenté son monsieur. Machine nous gagne, c'est machine telle. Chaque temps, chaque fois qu'on va dans la machine, la machine. Elle comme si c'était tout comme nous. Machine ça mange madame madame bien comme la même et oui mais il y a des mecs pas comprendre parfois les bails ouais ma machine on sort avec chaque mais qu'est-ce que des bagages tout mettre là tout ça audio tout brrr ah comme machine ça